Un triste anniversaire pour la famille d'Estelle Mouzin. Il y a 4 ans, elle disparaissait à Guermantes. La fille est âgée de 9 ans. Les enquêteurs continuent de travailler sans relâche, sans pour autant avoir de pistes sérieuses. Tout est exploré et l'hypothèse de rattacher la disparition d'Estelle à Michel Fourniret, le tueur en série, est écartée à l'heure qu'il est. Cécilia Douge. Estelle Mouzin, c'est cette petite fille de 9 ans disparue depuis 4 ans à la sortie de son école. À Guermantes, personne n'a oublié. Cet après-midi, sa famille, accompagnée de 150 personnes, se sont rassemblées pour connaître la vérité sur cette disparition. C'est extrêmement dur de savoir comment progresse l'enquête. Vous ne pouvez pas le savoir. Un temps évoqué, la piste de Michel Fourniret, le tueur en série des Ardennes, accusé du meurtre de 7 jeunes filles, semblerait s'estomper. Le tueur disposerait d'un alibi. Sa présence en Belgique au moment de l'enlèvement d'Estelle l'écarterait provisoirement du dossier. Il n'y a rien actuellement dans le dossier concernant l'enlèvement d'Estelle Mouzin qui directement ou indirectement implique Michel Fourniret. Cependant, il y a encore des recherches à faire pour s'assurer qu'il était bien à Sarcustine, en Belgique, dans son domicile, le 9 janvier 2003. Après 4 ans d'investigation, les policiers confirment que l'enquête n'est pas mise en sommeil. Depuis 4 semaines, le groupe d'enquête travaille sur un nouvel axe de recherche.